campagne de publicité pour Oser Jésus a envahi les internets. Et donc, on se fait un petit point d'interrogation. Alors, je vais commencer par une annonce à tous les habitués de la chaîne parce que cette vidéo ne va vraiment pas s'adresser à vous. Juste après ce sujet-ci, il y a un sondage auquel je vous demande de participer. C'est vraiment, vraiment, vraiment très important. S'il vous plaît, participez à ce sondage. Ça vous prendra que quelques secondes, c'est un truc, il faut cliquer oui ou non, il n'y a pas d'inscription, vous verrez, etc. Bon, difficile de passer à côté tant qu'ils y ont mis les moyens. L'église Impact Centre Chrétien, dirigée par le pasteur Yves Castanou, a secoué la toile en incarnant la définition du bad buzz. On va y revenir. Leur campagne de pub, nommée Oser Jésus, est en fait extrêmement simple. Elle repose exclusivement sur des témoignages positifs en faveur de la réalité des miracles qui se produisent au sein de l'église de Monsieur Castanou. Et bon, pourquoi pas? Moi, je suis toujours à l'affût de bonnes raisons de croire en Dieu. Je suis toujours à l'affût de bonnes raisons de croire en n'importe quoi, en fait. Qu'il soit Dieu, les extraterrestres, je sais pas moi, les fantômes. Mais si vous croyez en Dieu, quel qu'il soit, soyez très attentifs à la phrase que je m'apprête à dire et demandez-vous si vous êtes d'accord. Moi, sur cette chaîne, je ne fais pas la promotion de l'esprit saint, je fais la promotion de l'esprit critique. L'esprit critique, ça consiste pas, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent, à démystifier tout ce qui sort des clous de la rationalité. Ça sert principalement à être capable de vérifier, grâce à des méthodes, grâce à des astuces, hein, plus robustes que l'expérience personnelle ou l'intuition, puisque l'expérience personnelle et l'intuition, ça nous induit souvent en erreur. Donc ça nous aide à vérifier grâce à des méthodes, des outils, si on a de bonnes raisons de croire ce que l'on croit. Tout simplement. C'est principalement ça, l'esprit critique. Si on a de bonnes raisons de croire ce qu'on croit, il n'y a pas de problème. Donc, j'espère que vous êtes d'accord avec ça, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si vous pensez qu'avoir de l'esprit critique, c'est un tort, ben, je serais intéressé de lire vos arguments et ben, pourquoi pas d'en débattre respectueusement. Venons-en à la campagne Oser Jésus. Bon, ça part très certainement d'une très très bonne intention, je ne doute pas de ça. Mais prétendre que Jésus permet de guérir du cancer, de vaincre l'anorexie, de se reconstruire après un abus sexuel, de domicilier sa PME chez soi... Ah non, non, pardon, ça je me suis gouré, je me suis planté d'affiche. Ça n'a rien à voir. Voilà, voilà. De sortir de la dépression et bien sûr, de guérir de l'homosexualité, un grand classique. Ouais, c'est un petit peu problématique parce que autant je peux respecter les gens qui croient qu'un homme dans le ciel n'accorde ses faveurs qu'à ceux qui acceptent de croire en lui sans preuve, ce qui perso m'invite d'entrée de jeu à quand même pas mal de méfiance, parce qu'on vit dans un monde où il y a quand même beaucoup de manipulateurs. Donc autant ça je peux respecter, en tout cas les gens, peut-être pas la croyance, mais les gens, autant quand une croyance marche sur les plates-bandes de la connaissance scientifique, je dis attention, ça sent pas bon. Et donc, avant que vous ne soyez très en colère contre moi, je vous propose de faire un petit exercice d'esprit critique. Hein, franchement, c'est sans danger. Alors, petit avertissement quand même avant de lancer l'exercice d'esprit critique. Il se peut qu'après avoir fait cet exercice, votre croyance soit diminuée. Il se peut que vous remettiez en question vos convictions. Donc si vous n'avez pas envie de faire ce genre d'exercice parce que vous n'avez pas envie de remettre en question ce que vous pensez ou quoi que ce soit, libre à vous, ne faites pas l'exercice. Maintenant, si vous voulez vérifier votre croyance, eh ben, cet exercice peut vous aider. Il peut vous aider à renforcer votre croyance, mais ça peut aussi vous aider à vous rendre compte que vous accordez du crédit à quelque chose qui n'en mérite pas autant. Voire pas du tout, j'en sais rien. Ce sera à vous de me le dire dans les commentaires. Voilà l'exercice. Prenez une croyance que vous savez fausse. Par exemple, la scientologie, qui prétend que nous sommes des descendants d'extraterrestres choisis par Xenu, le dictateur de la Fédération Galactique, qui, il y a 75 millions d'années, aurait apporté, avec l'aide de psychiatres extraterrestres, 13 500 milliards d'extraterrestres sur Terre, dans des vaisseaux spatiaux, avant de les jeter dans des volcans et de les faire exploser avec des bombes à hydrogène. En général, ils ne le présentent pas comme ça, je sais que c'est pas très convaincant dit comme ça. Mais bon, c'est pour l'exercice. Et si vous êtes scientologue, alors excusez-moi de présenter ça un petit peu à la rigolade, hein, je vous respecte dans votre croyance, mais désolé, je n'ai pas à respecter votre croyance elle-même. Si vous êtes scientologue, prenez les témoins de Jéhovah qui prétendent qu'Adam et Ève ont vraiment existé, que le monde
n'a que 6000 ans, que les fossiles de dinosaures ont été créés par Satan, et puis surtout, que si on mange du boudin noir ou qu'on accepte une transfusion sanguine, on sera effacé de la réalité au jour du jugement dernier, alors que les autres seront immortels, à l'exception de 144 000 élus qui iront gouverner dans le ciel, mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça sur une terre avec tous les animaux devenus végétariens. Vous voyez, il y a toujours une façon de présenter les choses qui fait que ouais, c'est moins convaincant dit comme ça. À nouveau, je respecte les gens qui croient, mais je n'ai pas à respecter ceux qu'ils croient. Vous n'êtes pas vos croyances. Vous êtes les questions qui vous ont amené à trouver ces réponses. Mais vous n'êtes pas ces réponses. Et tout ça, c'est une autre histoire philosophique, on verra une autre fois. Bon, ben forcément, entre Xénu et le boudin noir, il y a une des deux croyances qui est fausse. Au moins une des deux, puisqu'elles ne sont pas compatibles. Elles sont contradictoires. Les deux histoires ne peuvent pas coexister dans la même réalité. Hein, c'est forcément l'une ou l'autre qui s'est passée, ou aucune des deux. Donc tout ça, c'est juste pour que vous choisissiez une croyance que vous savez fausse. Je vais vous poser une question extrêmement simple. Alors là, que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste, New Age, peu importe. Je suppose que votre croyance, bah, vous y croyez à 100%, c'est-à-dire que vous n'avez aucune raison de douter, vous n'avez que des raisons de croire que c'est vrai. Quel argument pourriez-vous me donner qui me fasse comprendre que votre croyance est vraie et pas celle que vous savez fausse ? Hein, la scientologie ou les témoins de Jéhovah. Je vais répéter ma question autrement. Si votre croyance est la bonne, alors forcément, il y a quelque chose de différent entre votre croyance, qui est la bonne, qui est la vraie, et celle qui est fausse. Autrement dit, pour me convaincre, il y a forcément un argument que vous pourriez me donner que la fausse croyance ne pourrait pas me donner. Enfin, qu'un croyant en la fausse croyance ne pourrait pas me donner. Je prends un exemple. Si vous me dites « tu dois essayer par toi-même, prie, ose Jésus ». Ben oui, mais en face, ceux qui ont essayé Xénu par eux-mêmes, selon vous, forcément, ils ne peuvent pas être convaincus à 100% que leur croyance est vraie. Ils peuvent pas, on ne peut pas croire autant en Xénu que vous croyez en Jésus. C'est pas possible. C'est vraiment impossible. Moi, je pense pas que ce soit impossible. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent... Je pense que les gens de la scientologie peuvent me dire « Ah non, mais moi, c'est 100% Xénu, je sais que c'est Xénu, quoi. » Vous voyez le problème ? Je veux bien croire en Jésus, mais j'aimerais qu'on me donne un argument, un seul, qu'une fausse croyance ne peut pas invoquer. Ne me dites pas de lire la Bible, parce que eux, ils vont me dire « Bah oui, bah lis nos bouquins de scientologie, ou lis notre Bible des témoins de Jéhovah. » D'ailleurs, la Bible, c'est fait, je l'ai lu. Je l'ai lu de la première à la dernière page. Et j'ai lu le Coran aussi, et même le livre des Mormons. C'était beaucoup plus fun d'ailleurs, soit dit en passant. Je l'ai fait parce que je voulais vraiment savoir de quoi ça parle. Et soyez honnête, l'écrasante majorité des croyants, bien qu'ils possèdent presque tous les bouquins, ils les ont pas lus de la première à la dernière page. Ils ont lu des passages dans le désordre, hors contexte, expliqués par un prêtre. Mais oui, mais si le prêtre se gourre, comment je fais pour le savoir? Est-ce que c'est vraiment une bonne façon de comprendre un livre, de laisser quelqu'un d'autre nous l'expliquer? Et je peux vous garantir que j'ai lu ces trois livres en prière. C'est une époque où j'étais très croyant. Bon, revenons à Oser Jésus, parce que c'est un petit peu le sujet quand même. Oser Jésus, donc, qui annonce toutes sortes de miracles médicaux à travers des témoignages. Alors moi, je trouve ça très, 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 très important, parce que si c'est vrai, mais je voudrais qu'un maximum de gens en profitent. Je suis comme les adeptes de cette église. Je me dis, c'est génial, il faut vraiment que le plus grand nombre en profite. Et en plus de ça, ce que je comprends en écoutant les témoignages, c'est que Dieu est tellement puissant qu'il n'y a plus besoin de la médecine. La solution d'un pavé médical qui nous a été donnée, c'était de prendre des traitements, des stimulations, des injections. Et ça n'a rien donné. Nous avons été même emmenés à faire une chirurgie avec un des plus grands chirurgiens de Paris. Ça n'a rien donné. Au contraire, ça a été même pire. J'ai décidé d'oser Jésus. Je décide de croire fermement en cette parole. Les douleurs d'endométriose, les fortes douleurs que j'avais avaient complètement disparu. Plus besoin de médicaments. Tous ces maux, toutes ces douleurs, tous ces handicaps sont complètement partis. C'est de tout simplement oser Jésus. On a diagnostiqué qu'en fait j'avais une colonne vertébrale, normalement elle doit être comme ça. Ben moi ça faisait un S. Donc chaque semaine, j'allais voir le kiné et il n'y avait pas d'avancée, j'avais toujours aussi mal. Quand un médecin vous dit que il n'y a pas de,
n'y a pas de guérison possible. Bah, on apprend à vivre avec cela. Le pasteur en fait, nous rappelait en fait, ce que Jésus avait fait pour nous, donc au niveau de la guérison. Alors, ce qu'il disait à propos de la guérison, c'est qu'on n'avait pas à subir, on n'avait pas à être malade. S'il y avait des cancers, des tumeurs, on devait vraiment s'en remettre à lui. Il continuait, il appuyait avec les versets, il nous disait, voilà, maintenant, aujourd'hui, vous allez repartir sans votre maladie. Vraiment, je remercie le Seigneur parce qu'il faut oser Jésus. Et vraiment, je vous dis que la guérison, elle est possible. Là où le médecin vous a dit que ce n'est pas possible, Jésus peut le faire. Il suffit d'oser Jésus. Mais la question, elle est sérieuse. On ne plaisante pas avec la santé. On ne parie pas sur une thérapie censée guérir une pathologie grave, voire mortelle. On étudie la question. On regarde les différentes options avec doute, méfiance, en faisant bien attention de ne pas se faire avoir par son intuition, sa première idée ou son enthousiasme. Quand on est atteint par une pathologie grave, on essaye de penser rationnellement pour se donner les meilleures chances de guérir. Quel dieu d'amour pourrait en vouloir à ces créatures qui luttent sans arrêt contre leurs émotions, ça c'est quand même un truc commun à toutes les religions, de se poser pour réfléchir quand leur santé, voire leur vie est en jeu. Je pense qu'un dieu d'amour peut comprendre ça. Bon alors du coup, on a quoi de solide? On a des témoignages en faveur de l'existence des guérisons miraculeuses, que je préfère personnellement appeler guérisons inexpliquées dans l'état des connaissances scientifiques actuelles, mais par facilité de langage, on va dire guérison miraculeuse. Reprenons notre petit exercice d'esprit critique de tout à l'heure. Est-ce que les témoignages en faveur de guérison miraculeuse qui émanent de la scientologie ou des témoins de Jéhovah, parce que ouais, il y en a dans ces trucs-là, ils sont du même acabit, est-ce que ces témoignages suffisent pour nous faire croire en ces croyances-là, hein, en Xénu et au danger du Bouddha noir? Bah, c'est pas top top, on aimerait bien creuser un petit peu, quoi. On aimerait bien vérifier, et l'église Impact Centre Chrétien comporte de très 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 nombreux disciples. Acclamons, acclamons la décennie de la domination. Qu'est-ce qui me dit que parmi eux, il n'y a pas une poignée de menteurs? Qu'est-ce qui me dit que parmi eux, il n'y a pas des gens prêts à livrer de faux témoignages, ou juste arrondir un peu les angles, ou en rajouter un petit peu pour qu'on s'intéresse un peu à eux, tout simplement. On me dit souvent, oui, mais ils sont pas payés, machin, truc muche, mais les humains ne mentent pas uniquement quand il y a des histoires d'argent, hein. Ça, c'est vraiment très, 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 très naïf de le penser. Le succès, la popularité, toutes ces choses suffisent déjà à mentir, manipuler, tromper. Donc, je répète ma question, est-ce que c'est impossible que parmi l'immense congrégation de disciples que compte l'Église Impact Centre Chrétien, qui sont vachement nombreux, est-ce que c'est impossible que parmi eux, il y ait des faux témoignages? Et s'il y a des faux témoignages, est-ce qu'ils doivent forcément avoir des gueules de tolards à qui on ne fait pas confiance? Parce que moi, je crois que une personne qui a l'air gentille et sincère, c'est pas suffisant pour savoir si elle nous ment ou pas. Ou si elle exagère un petit peu, ou si elle arrondit les angles, tout ça, tout ça. Est-ce que mon envie de croire une personne que je ne connais pas, qui me paraît sincère et gentille, est une raison suffisante pour me faire adhérer à Xénu ou à lutter contre le Bouddha noir? Est-ce que c'est une raison suffisante? Est-ce qu'il vous suffirait de voir un témoignage comme ça, d'une personne qui a l'air sympa, machin, pour Xénu, Bouddha noir? Si c'est pas le cas, pourquoi est-ce que ce serait une raison suffisante pour me faire adhérer à Oser Jésus, ou me faire adhérer à votre croyance? Ben en fait, l'explication, elle est toute bête. On sait tous, même les gens qui croient, on sait tous qu'un témoignage, c'est jamais une preuve, tout simplement parce qu'on sait tous que les menteurs existent. Tout simplement parce qu'on s'est déjà tous fait avoir par quelqu'un en qui on avait pleinement confiance, quelqu'un qu'en plus on connaissait, et qui nous a menti, qui nous a induit en erreur, qui nous a fait croire des choses fausses. On sait que ça, ça existe. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit témoin de Jéhovah, qu'on soit scientologue, qu'on soit je ne sais quoi, on sait tous que ça, ça existe. Mais quand un témoignage va dans le sens d'une chose qui nous plaît, on a un petit peu tendance à y faire un petit peu trop vite confiance. C'est comme ça qu'on se fait manipuler. C'est quand on nous dit ce qu'on veut entendre, quand ça chante à l'oreille. Or, les questions médicales sont des questions scientifiques. Pour opposer un argument à la médecine, il faut un argument de qualité scientifique.
Il faut une preuve au sens scientifique du terme, sinon ça n'est pas à la hauteur, tout simplement. La médecine, c'est pas un truc qui s'est fait avec des témoignages et avec des machins, non, c'est un truc, c'est scientifique. On fait des expériences, elles sont réplicables, c'est un truc que j'explique en long et en large sur toute ma chaîne. Alors attention, hein, parce que je dis pas que les miracles n'existent pas. Bien au contraire, il y a des rémissions spectaculaires. Il s'en produit par exemple à Lourdes. Ouais, Lourdes, ouais, il y a un comité scientifique qui vérifie, etc. Oui, oui, il y a des guérisons scientifiquement inexpliquées. Ces guérisons miraculeuses sont une réalité. Alors on pourrait se dire intuitivement, ben ok, ben c'est la preuve que tu existes puisque des miracles ont lieu à Lourdes. De quoi t'as besoin de plus, mec ? La croyance est satisfaite, la réflexion s'arrête là. Ben si on a un petit peu d'esprit critique, il y a une chose toute bête à vérifier. Il y a une question à se poser que le croyant ne se posera probablement pas puisqu'il est satisfait et qu'il a arrêté de réfléchir. Cette question, toute simple, c'est « Y a-t-il plus, moins ou autant de miracles à Lourdes qu'ailleurs ?» Ailleurs, des lieux religieux, des lieux non religieux. Et là, y a un truc qu'on constate très vite, c'est qu'en fait, on trouve le même taux par personne, donc vraiment la même proportion, de guérison miraculeuse à Lourdes que dans les hôpitaux. Or, dans les hôpitaux, il y a beaucoup, beaucoup moins de croyants qu'à Lourdes. Donc la conclusion logique de tout ça, c'est que le lieu et la croyance ne sont pas des facteurs qui comptent pour les guérisons dites miraculeuses, mais que je préfère dire inexpliquées scientifiquement parlant pour l'instant. Et j'insiste parce que de tout temps, il y a eu des guérisons inexpliquées scientifiquement parlant, et puis finalement, on a fini par comprendre comment ça marchait. Bon, bah, c'était plus un miracle. Hein. Fut un temps, la foudre, on pensait que c'était Dieu qui nous envoyait des signaux. Bon, maintenant, on comprend comment la foudre fonctionne. Il n'y a plus grand monde pour croire que la foudre, c'est Dieu qui nous envoie des menaces de je sais pas quoi. Est-ce que c'est la preuve que Dieu n'existe pas ? Certainement pas. La seule question que je pose, c'est ces guérisons dites miraculeuses sont-elles de bonnes raisons de croire qu'elles sont liées à la croyance ? Si vous répondez oui à ça, après tout ce que je viens de dire, mais j'aimerais vraiment connaître vos arguments, parce que ça me dépasse un petit peu. Mais avant de commenter et de me dire que bah, si, c'est quand même une bonne raison de croire en Dieu, repassez-vous la vidéo pour être bien sûr d'avoir bien compris ce que je dis, parce que bien souvent on me contredit et on me fait simplement répéter un truc que j'ai dit parce que la personne n'a pas été attentive quand elle a regardé la vidéo qu'elle a commentée. Et voilà, quand je vous dis que l'intuition et l'expérience personnelle ne sont pas suffisants pour savoir qu'une chose est vraie, enfin en tout cas pour s'en approcher le plus possible, puisqu'on peut jamais vraiment absolument savoir qu'une chose est vraie. Alors tout ce que je viens de dire est bien entendu sourcé dans la description. Bon bah du coup, qu'est-ce qui nous reste ? Bah, deux, trois petites questions vachement importantes, en fait, qui tournent en boucle, d'ailleurs. Primo, pourquoi croyez-vous en votre croyance ? Secondo, cette raison que vous invoquez ne peut-elle pas être invoquée par quelqu'un qui croit en une fausse croyance ? Tertio, bah, si la réponse est oui, pourquoi croyez-vous en votre croyance ? Et répétez le cycle. À ma connaissance, personne n'a réussi à produire un seul argument qu'une autre croyance qu'il pensait fausse n'était pas capable d'invoquer aussi. Bon alors, je vais pas vous laisser en pièces détachées non plus, hein, c'est pas mon but. La croyance est quelque chose d'important pour beaucoup de gens, alors je vais vous donner un petit coup de main pour réussir à répondre à ces questions qui peuvent être très perturbantes. Croire, c'est consentir qu'une chose est la réalité sans en avoir la preuve. Bah la solution, elle est toute simple. Ne croyez pas en votre croyance. Considérez-la simplement comme un art de vivre, ou du bien-être. Une convention, un jeu, un repère. Vous prenez pas la tête, vous êtes confortable dans votre foi, très bien. Mais si vous voulez vivre libre, évitez de considérer quelle est la réalité et quelle devrait être la réalité pour tout le monde. Parce que plus vous tenterez d'en être certain, plus vous douterez intérieurement, tout en donnant l'apparence extérieure d'en être certain. Et je sais ce que c'est, j'ai été très longtemps croyant. Hein. Toujours à ça d'avoir la preuve définitive. Mais extérieurement, on est sûr. Ah oui, c'est absolu, j'ai une foi inébranlable. Vous allez vous torturer. Vous allez lutter contre plein de gens pour rien. Alors que vous pouvez tout aussi bien considérer ça comme un simple art de vivre. Et vivre en paix avec votre croyance et vos rites et vos habitudes. Où est le problème ? Pourquoi faut-il absolument que ce soit la réalité ? Et pire encore, la réalité des autres. Soyez tranquille, soyez en paix.
On ne peut pas savoir si Dieu existe. C'est pas possible. On ne peut pas le savoir, à moins qu'il ne décide lui-même de le prouver. Et vous savez à présent que c'est pas ce qu'il fait. Vous savez à présent que si une personne qui a une croyance fausse peut se convaincre qu'elle est vraie avec un argument que vous pourriez aussi utiliser, ben c'est qu'en fait cet argument, c'est pas une preuve. Les apparitions, les guérisons, les sentiments profonds, les voix, les messages, les signes, les confirmations, les prières exaucées, il y en a dans toutes les croyances religieuses. Donc, ce ne sont pas des preuves. La science contient d'excellentes méthodes, d'excellents outils qui permettent de comprendre comment et pourquoi ces choses arrivent et pourquoi on finit par en être convaincu. Et pourquoi, malgré ça, ça ne veut pas dire qu'on est stupide. C'est à vous de vérifier. C'est à vous d'avoir de l'esprit critique. Croyez tant que vous voulez, mais croyez pour de bonnes raisons. Hop, 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 ne vous barrez pas trop vite, je vais vous parler du truc giga important que je disais en début de vidéo. Mais avant ça, je voulais juste vous prévenir que je compte aller voir ce samedi 15 février 2020 au Skeptic in the Pub de Bruxelles la conférence de Rémy Gault qui va nous expliquer comment une expérience de parapsychologie a déclenché une révolution en psychologie. Ça commence à 20h et j'espère vous y retrouver. On m'a demandé un petit coup de projo aussi sur un projet, la Cartoon Fair, qui est une convention geek, mais pas trop orientée manga pour une fois, qui va avoir lieu à Rouen. Elle a besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir s'offrir des invités prestigieux. Ils sont à 4 500 € sur leur Kickstarter et le palier est à 9 000. Bon, bah, n'hésitez pas à leur filer un petit coup de main, si ça vous branche. Bon, là où ce que je voulais dire en début de vidéo. Alors, le sondage dont je parlais, je vous ai mis une petite adresse dans la description. L'idée, c'est de répondre à une question très très simple. Et j'ai vraiment besoin que vous participiez. Si on organise un festival de la pensée critique, du scepticisme, à Lyon, genre un week-end avec toute la clique des vulgarisateurs et puis aussi des vulgarisateurs de science, avec des ateliers, avec des conférences, avec des dédicaces, etc., est-ce que vous viendrez? Oui. Non. Donc évidemment, on imagine que ce sera une date qui vous convient, un prix convenable, etc. C'est très, très, très important de participer à ce sondage parce que ces chiffres vont directement conditionner tous les choix qu'on va faire ensuite. C'est un sondage qu'on fait sur plusieurs chaînes, hein, je précise. Allez, n'oubliez pas de vous abonner. Non, c'est là. En miroir, c'est difficile. Là, il y a la petite icône. Là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et prenez bien soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs dans le crâne.